Nous venons de clôturer aujourd'hui 3 jours qui ont été très riches en échanges. Nous avons voulu être rassembleurs, nous avons regroupé autour d'une même table tout ce qui gravite dans le milieu de la nutrition, les professionnels de la restauration, les professionnels de la santé, ainsi que les professionnels des industries agroalimentaires, afin de discuter autour de thématiques qui touchent la nutrition. Nous avons fait des conférences sur la malnutrition, nous avons fait des conférences sur les systèmes alimentaires et la prévention des maladies chroniques. Nous avons fait des ateliers de démonstration culinaire avec les enfants, avec les personnes âgées, afin de les initier à la nutrition et leur donner un peu d'autonomie en ce qui concerne les activités culinaires. Nous avons fait des panels sur les alicaments. Nous avons essayé de déconstruire des mythes que les gens ont sur l'alimentation. Nous avons essayé de chercher la relation qu'il y a entre la nutrition et l'équilibre alimentaire. Donc, en résumé, c'est ça. Ce salon, je ne vais pas terminer sans dire que ce salon est déjà inscrit dans l'agenda de l'organisation. Et chaque année, maintenant, sur la même lancée que le projet Kaitogu, vers décembre, nous allons organiser ce salon. Et nous espérons que les prochains salons seront aussi riches en échanges, voire même plus riches en échanges. Ku xam association Agora, xamni association la bo xamni, elle se soucie de la santé de la population. Nous avons vu que les gens qui ont été malades ont des complications. Nous, pourquoi pas initier un projet appelé Kaitogu, projet qui a sensibilisé toute la population saint-lusienne pour une bonne alimentation saine et équilibrée. Nous avons vu le salon pour voir si les plus jeunes sont affaires à l'école. Nous and ak sék ay kangam yo xamni sen xel match na ci walu wi pendant 3 jours bu lol wesso ñi ngi remercier ñepp ñi ci andalon rawatina wa centre culturel institut français ak centre jigène ak jigène ak tous les exposants ak ñi nga xamni sen tout le personnel de la santé ñi nga xamni sen téway ragné nañ ko ci bis bi. Légui ñi ngi lancer un appel di len wax ni projet Kaitogu bi ren dafa am ben innovation bu ci am moy ñun d'habitude dañu yaakaar ni jigen rek mo wax togu dedet goor tamit amna walam ci wañ bi motax tay ñu innover compétition bi ñu bolé ci ay goor.